Salut tout le monde, c'est Brian. Et Katrina, bonjour. On a été voir le spectacle en Allemagne, on a vu le niveau du show, donc on a envie de bien faire, donc ça nous stresse un petit peu, mais on a envie que ça commence aussi, quoi. En fait, il se fait en Allemagne, après il se fait en France, donc ça va être le même spectacle, simplement en France, Katrina et moi, nous rajoutons au spectacle. Donc après, il y a des petites transitions à changer, mais sinon c'est le même spectacle voilà. Qu'ils font actuellement avec d'autres guests en Allemagne, en fait. Bien sûr, il n'y a pas que nous, hein. Il y a les autres patineurs, et puis après, ça se raconte avec la musique, les costumes, les effets spéciaux, des grands écrans. Et c'est vrai qu'on comprend vite fait l'histoire. Non, c'est vrai que quand on m'a proposé le projet, enfin, tout de suite, j'ai eu les étoiles dans les yeux parce que. Refaire une aventure avec Katrina, j'étais heureux. Et puis en plus, voilà. Dans ton milieu. Dans mon milieu, qu'elle puisse découvrir le patinage, qu'elle puisse. Après, c'est un sacré challenge, c'est très dur. Mais waouh! Et puis Holiday on Ice, enfin, tout le monde au monde connaît, connaît Holiday on Ice, même quand j'ai dit à ma mère, je sais pas si tu connais, mais je vais faire Holiday on Ice. Oh, mais c'est pas vrai! Tout le monde connaît la marque, entre guillemets. Donc, voilà. J'ai jamais fait de ma vie, donc voilà, c'est quelque chose de nouvel pour moi, mais... Non, mais après, c'est une bosseuse, donc à partir du moment où c'est une bosseuse, et en plus, elle aime que les choses soient bien faites, donc ça se passe bien. En fait, déjà, ce qui est bien avec le patinage, c'est que ça touche à un large public, les enfants ou alors les personnes beaucoup plus âgées, mais... Et en plus, là, vu qu'on a vu le spectacle, c'est vrai que ça... Ça va plaire à tout le monde. Franchement, que ce soit, il y a des numéros aériens, que ce soit les costumes, que ce soit. Enfin, c'est fantastique. Après, on essaye de faire rêver les gens. Et puis, qu'on aime le patinage ou qu'on n'aime pas. On voulait vous donner rendez-vous à partir du 2 mars pour la tournée 2018 Holiday on Ice. Donc ça commencera à Cergy, à l'Arène Ice. Et puis après dans toute la France et on terminera à Paris la semaine du 22 au 27 mai. Donc venez nous voir et puis à très bientôt. Oui, bisous.